Mais ça t'aurait plu de présenter une émission d'aventure? J'y ai pensé, je pense que j'aurais pu m'en sortir. Et animé Koh-Lanta, mais déjà faut être deux. Mais alors animé Koh-Lanta, figure-toi que j'ai postulé pour le faire. Mais non. C'était à l'époque où j'avais lancé J'irai dormir chez vous, ça marchait. Et j'hésitais à faire... Non, c'était avant J'irai dormir chez vous. C'est quand ça démarrait, puis finalement ils m'ont pas retenu déjà pour commencer. Puis je crois que c'est mieux ce que j'ai fait de partir faire mon truc à moi. Ouais. Dites et leur sentence est irrévocable. Allez-y. C'est quoi ça? Ah non, mais moi je vais te dire, je l'ai par contre quasi jamais regardé. Donc j'ai compris que c'est une phrase qui revient très souvent. Leur sentence est irrévocable. Ah, ça va mal. Ça le fait. Il y a du suspense. Il faut rappeler qu'Antoine a présenté des émissions sur France 2 aussi. Ah oui, hein. Oui, des vraies émissions en plateau avec une oreillette et tout. Les Nouveaux Mondes, Zone Sauvage sur les animaux, Au-delà des dunes. Très exotique à chaque fois, j'aime bien. Et c'était en plateau. Et c'est mieux en plateau ou en extérieur? C'est quoi? Mais moi, ma place, c'est extérieur. Et carré VIP aussi. En revanche, ils me mettent pour présenter une émission en plateau. J'étais pas très bon, j'avais jamais fait. Et donc, au bout de quelques émissions, on en a fait pas mal, mais ça passait que sur le... Enfin, personne ne le voyait, quoi. Enfin, on va faire courte. Et mais personne c'était quand même France 5, le soir. Ah oui. Quand c'était Arte qui passait. La double... Ah bah oui. Et donc, ils m'ont dit, ouais, non, on va te mettre en extérieur, tu seras meilleur. Ils avaient raison. Mais moi, j'ai dit non. J'ai dit non, non, vaut mieux continuer en plateau, ça va aller et tout. Pourquoi? Parce qu'en plateau j'apprenais, alors qu'en extérieur je savais faire. Mais ça m'intéressait pas, puisque de toute façon personne regardait. Bah, essayez donc, la villa des cœurs brisés. C'est ça. Vous serez super bon là-dedans. Je vais pleurer si c'est comme ça, je vais pleurer.